Bizimana kati ya Washington. Balobi mama mardi ne. Mama mardi ne. Balobi shop Africa Union. Mais toi t'es qu'à nyonso. Biloko ya ya ni yo Congolais. Olingi ne kola yo. A sali sa yote. Pona kolia na yo. Moko babone la yo. Pona mtoto na yo. Moko ya ele. Poko babone la yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et toi t'es qu'à. Tout à kola na basiwa. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Pour pas tout comprendre, mawa. Bah Congolais, où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coriana, puis nous moko. Bah quoi les radis? Coriana, appétit. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. Je reçois Mike Moukeba et Nkosso, avec qui nous allons discuter des questions politique d'actualité, mais aussi de la ville de Kinshasa. Vous devez certainement vous poser des questions sur l'insalubrité de la ville, l'insécurité de la ville. Quand il pleut, vous n'avez aucune idée de quoi ça ressemble finalement cette ville de Kinshasa. On en parle avec Mike Moukebaye, mais surtout l'actualité aussi. Mike Moukebaye, comment allez-vous? Ça va très bien, Christian Moussembeu. Je ne voudrais pas vous déranger un peu, mais permettez-moi de le faire. La Mouka, finalement, vous comme Mibale, Mike Moukeba, il y a dans la côté minogiste. Ce qui se passe là, c'est Fayoulou qui l'a provoqué. La Mouka est un bien commun. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui au sein de l'Union Sacrée, à mon point de vue, et ça a été même souligné par la cellule politique de la Mouka, c'est la continuité de ce que nous avons commencé à la Mouka. Il faut comprendre dans quelles circonstances la Mouka a été créée. La Mouka n'a pas été créée à notre demande, à nous, classe politique. Ça a été plus une demande des Congolais. Les Congolais nous ont demandé pas de créer la Mouka, mais de choisir un candidat commun pour nous donner les plus de chances de battre Kabila ou le candidat de Kabila. Donc ça veut dire que les Congolais avaient en tête que les dénominateurs communs ici, qu'il faut mettre de côté, s'appellent Kabila. Nous sommes y allés, il y a eu des divergences. Félix et Vital ont pris la route. La Mouka a vu le jour. Fayoulou, candidat commun. Mais ces combats-là que nous avons commencé à Genève, à trouver une autre fenêtre d'opportunité, quand le chef d'État a lancé l'appel pour la mise en place de l'Union sacrée. Mais avant même cet appel, la toute première fenêtre d'opportunité, elle était peut-être petite. Mais c'est celle-là qui a tout déclenché. Ronsard et les lois Sakata Minaku. L'UDPS descend dans la rue du Nom. La Mouka descend dans la rue du Nom. Le chef d'État en tire les conséquences. Il dit, j'ai écouté le peuple. Il nous envoie un message clair. C'est que force du changement, je suis avec vous. Nous avons quelque chose en commun. Détrompez-vous, ne passez pas que moi, je vais ouvrir le boulevard à Kabila. Et par la suite, cette fenêtre a été consolidée. Donc c'est le même combat. Et au jour d'aujourd'hui, avec des résultats, ce Kabila a été mis de côté. Mais plutôt que d'accompagner ce combat, Fayoulou a préféré s'isoler, être esselé, et réclamer la propriété de la Mouka. À quel moment la Mouka se transforme-t-il en une coalition entre plusieurs leaders pour devenir une propriété et que Fayoulou, lui, réclame que ce soit bien à lui, avec peut-être Mouzit ou d'autres. À quel moment? Par quelle alchimie? Je voudrais bien situer cette opération. Oui, par la violation des principes. Et c'est cela tout le problème. Oui. Puisqu'il l'avait fait par le passé, il pense les faire de manière impunément. Alors, sa malchance cette fois-ci, c'est qu'il a affaire à deux costauds. Katumbi et Bemba. Il l'a fait avec la dynamique.
Les autres ont peut-être refusé d'aller plus loin. Mais ici, les deux costauds ont dit, monsieur, c'est pas ton bien. C'est cela sa difficulté. Oui, mais justement. Et c'est que moi, je peux lui conseiller. Que faites-vous de principe, Parce qu'ici, il s'agit d'une question de principe. À entendre Martin Fayulu, Mike Mukebai, Jean-Pierre Bemba et Katumbi ont violé les principes sacro-saints. Avant que ce soit une question de principe, ouais. Réfléchissons. Avant que ce soit une question de principe. Généralement, les coalitions politiques sont des associations momentanées. Elles sont créées pour des objectifs. Des objectifs, généralement, à court terme. Rarement à moyen, surtout pas à long terme. OK? Ça a été une plateforme électorale, la Mouka. Et après, puisque nous revendiquions quelque chose, ce qu'on a appelé à l'époque la vérité des urnes, on a réadapté un peu ces objectifs-là. Mais qu'est-ce qui peut se passer dans la vie d'un acteur politique qui est de participer chaque fois à la création des coalitions, associations momentanées, et d'en réclamer la propriété par la suite? Dans le chef du même homme, y a-t-il pas un problème? Ça ne devient pas de la paranoïa? Donc vous pensez que Fayulu est paranoïaque? Ah non, je m'interroge à voir si ça ne devient pas de la paranoïa. Que ça n'arrive pas à d'autres hommes politiques, mais que ça soit toujours un même qui participe à la création des coalitions, associations momentanées, et quand arrive le moment de la dissolution, non, on lui revendique la paternité. Mais ça sera la deuxième fois seulement, il ne faut pas... Mais ça fait trop en politique. Oui. Ça fait trop de revendiquer la paternité de deux coalitions. Ça fait trop en politique. Vous pensez... Mais dans l'entretemps, monsieur a un parti. Quand est-ce qu'il pourra travailler pour son parti politique? Ben, il le fait déjà. Il y a Dombassi qui passe à la télévision à demander de faire le recrutement de militants. Non, mais écoute, ça c'est de la pure propagande à la télé. Même mon fils peut appeler à l'adhésion si tu lui donnes l'espace ici ensemble. Mais un vrai travail de terrain pour recruter. Si ce travail avait été fait, Martin Fayulu ne passerait pas son temps à revendiquer la paternité de la Qu'est-ce qui vous gêne? Est-ce que c'est le fait qu'on a évincé Katumbi et Bemba ou c'est le fait que Martin Fayulu c'est prévaut la qualité de propriétaire de la plateforme? Non, c'est défi. Non, on est en politique, c'est défi envers les autres. Un bien commun, et puis un matin, vous voulez le prendre par défi. À la limite, même si les autres avaient été sportifs, quand ils sont touchés dans leur amour, on me dit, OK, messieurs, on va t'en faire voir de toutes les couleurs. C'est un peu ce qui est en train d'arriver, quoi. Et c'est dommage qu'il n'a pas d'entourage qui puisse lui dire que, président, tu ne porteras pas cette marque, ce label. Comment ça? Mais comment ça va se passer selon vous en tant qu'analyste politique aussi, en dehors du fait que vous soyez député, mais vous êtes aussi un analyste politique depuis très longtemps d'ailleurs. Comment vous voyez l'issue de cette affaire? Parce que là, nous sommes dans une situation où il y a un autre Lamouka qui est sorti pour dire Martin Fayulu, en tout cas cette fois-ci, on ne te laisse pas l'affaire. Et il y a Martin Fayulu. Non, c'est pas un autre Lamouka. Regarde. Ce sont deux pères fondateurs du même Lamouka. Oh. Deux pères fondateurs. Non. Ce n'est pas un autre Lamouka. Oh, d'accord. Alors dites-nous. Non, ce n'est pas de la dissidence. Ah, finalement. C'est pas de la dissidence. C'est vraiment clair. Et vous avez vu qu'ils ont mis en avant les dispositions de la charte fondatrice de Lamouka. Le même logo, on a vu. Le même logo. Oui, les dispositions. Je crois que tu as eu l'occasion de lire les communiqués de la cellule politique. Oui. Ils s'appuient, ces communiqués s'appuient sur la charte. La Mouka, c'est bien clair. On voit il faudra bien qu'on nous rencontre sur cet argumentaire qui a été bien développé, du béton, qu'on nous rencontre là-dessus. Mais ce qui est vrai, c'est que ça c'est clair, c'est que si Fayulu a réussi cet hold-up une fois, cette fois-ci ça ne passera pas. Parce qu'il a du lourd en face. Mais comment ça va se passer? Et les deux ont dit non. Mais comment ça va se passer dans le futur? Parce que vous allez aller aux élections. Comment vous allez faire? Vous allez vous enregistrer deux partis. Je vais te dire, je crois que c'est dommage qu'il n'ait pas d'entourage. Que Fayulu ne soit pas un très bon stratège, c'est peut-être un bon économiste. Mais politiquement, je ne dirais pas un piètre, mais ce n'est pas un stratège. C'est dommage. C'est un combat perdu d'avance. Je l'ai dit aux jeunes qui sont autour de Fayulu. Mais les conséquences. C'est un combat perdu d'avance. Les conséquences. Fayulu ne les gagnera jamais. Moi, là, je parle au nom de souffrances que nous avons partagées ensemble, lui et moi. J'ai dit, monsieur Fayulu, c'est un combat perdu d'avance. Tu ne peux pas le gagner. Si tu veux aller avec la Mouka aux prochaines élections, tu ne pourras pas. Vous lui reprochez quoi exactement? Ça, je l'ai lui dit.
Hein, il ne pourra pas amener la Mouka aux prochaines élections comme plateforme électorale. Mais comment ça, il est celui qui... Non, ce n'est pas possible. Mais c'est lui qui gère la Mouka. Parce qu'en fait, c'est une coalition. Qui engage la Mouka. Ben, en fait, c'est une coalition. Je pourrais me lever, aligner aussi un regroupement appelé la Mouka. Ça va créer de l'embrouille. Mais on va vous débouter. Ça va vous créer... Bon, ok, on verra. Ça va créer de l'embrouille à Mini et je vais voir qui d'entre lui et moi gagnerait. Mais c'est cela tout le problème. En fait, je suis en train de prévenir, je suis même gentil. Je dis, ne perds pas ton temps. Moi, je suis gentil. Je viens de lui dire, ne perds pas ton temps. Il y a bien d'astuces pour te mettre en difficulté avec cette plateforme pour que tu ne l'amènes pas aux élections. Je le lui dis, je le lui conseille. Mais je sais que comme il n'y a pas de gens qui sont capables d'anticiper, de faire de la prospective, ils vont s'entêter, ils vont perdre 3 années à bâtir dans du sable. Aujourd'hui, ils sont en train qu'ils bâtissent son idée. Alors, même et là, les autres qui sont là, voici il y en a un qui a un parti, il y en a un autre qui a un parti. Voici la position de la Mouka. Écoute, en fait, quelle est la réalité autour de Martin? Il y a Martin qui a un parti à décider. Décider, oui. Qui peine à émerger. Ben, il a montré un peu du nez grâce à la coalition de la Mouka. Hein. Acquisition d'un nouveau siège et tout ça, visibilité, tant mieux. S'il a tant profité de la Mouka. Il y a un autre qui a un parti qui s'appelle... Nouvel Élan, Mozito. Nouvel Élan, c'est, je ne sais pas... Un jeune parti politique qui peine à trouver de racines, qui n'a presque pas de cadre. Non, mais vous n'allez pas dire ça. Ouais. Il y a Blanchard Mbumba. Et puis qui d'autre? Et puis, je ne connais pas... Merci. Il y en a quand même. Merci que tu t'arrêtes là, merci. Voilà, un parti qui peine à trouver des racines... C'est un peu très compliqué, qui cherche un peu à piocher sur les plates du bande du Palou. Ça prend pas tellement. C'est ça, en fait, ce qui reste là à Faden. Et puis, les jeunes là aussi sont à la tête des partis politiques. L'autre est héritier d'un parti politique légué par... Je le connais pas. Par comment il s'appelle Jacques Chaloupa. Ouais. Non, je connais pas. Je peux... Hein? Oui, on peut trouver les noms. De l'animateur, mais le nom du parti est difficile à trouver. Et puis, il y a un truc là-bas qui s'appelle Congo. C'est comment? Oui, un truc comme ça. Mais tu cherches même... Vous m'apprenez, je connais. Oui, tu cherches même... les. Ben, en fait, voilà. Ouais. Voilà ce qui va devenir la Mouka. C'est qu'on veut faire de la Mouka. Mais alors, deux gens comme ça, qui même n'ont aucune identité politique, normal qu'ils cherchent à s'accrocher à la Mouka. Parce qu'en fait, mis ensemble, eux tous, ils ne peuvent pas vendre un projet politique au Congo. Est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce qui vous gêne et qu'est-ce qui vous fait peur le plus? C'est parce que aujourd'hui, Martin Fayulu a une adhésion populaire, il se réclame d'être aujourd'hui, sinon, le père du peuple et que le peuple est derrière lui. Il estime que son Lamouka, son elle à lui, Lamouka, c'est l'identité du peuple. J'ai entendu, un journaliste m'a rapporté que Fayulu a dit qu'en fait, c'est lui au jour d'aujourd'hui qui est porteur des aspirations de Congolais dans l'ensemble. Justement. Et j'ai beaucoup aimé. Il est l'étienne Tshisekedi. Oui, j'ai dit, j'ai beaucoup aimé. J'ai dit, maintenant là, il est sur la pente glissante. Ses discours, on va les perdre. Comment ça va le perdre? Parce qu'il va devenir intolérant, inaccessible à la contradiction. Puisqu'il pense que ce qu'il dit, lui, représente les Congolais dans leur ensemble, avec tous les courants qui traversent les Congos, j'ai dit, monsieur, n'est pas loin de sa perte totale, définitive. Est-ce que vous avez, je veux alors, dire, non, permettez-moi, avez-vous déjà discuté avec Martin Fayulu, ne serait-ce que 15, 20, 30 minutes? Ouais, profondément. Profondément. Ouais. Comment avez-vous trouvé l'homme? Il est dans les incantations. J'ai toujours donné un exemple ici. Ouais. J'ai discuté avec Fayulu sur la question de Banyamulenge. Non! Ils sont pas congolais! Alors, j'ai dit, président, qu'est-ce que nous proposons? Il m'a jamais rien proposé. Il est dans les incantations. Si tu me dis que c'est ça sa force, ça je m'incline, je sais. Dans les incantations, il n'y en a pas deux dans la classe politique congolaise. Dans les incantations. Je te prends un seul exemple. Qu'est-ce qui s'était passé? Il avait pris position sur la question de Banyamulenge. Moi, j'ai pris position aussi à ma façon. Et il s'est fait que certains compatriotes de la diaspora l'ont appelé pour se plaindre que moi je le mettais en difficulté. Et on devait discuter tous les deux. On a passé plus d'une heure. Vrai échange. Moi, j'ai dit, voilà ma proposition, voilà ce que je pense. Ces gens-là sont là depuis 60 ans. Nous n'avons pas le moyen de les mettre dans un camion pour les amener dans un autre pays. Aucun pays n'acceptera. Voici les réalités, je lui ai dit. Et en conséquence, ma proposition est là. Il m'a jamais rien proposé. Tout comme à ce jour, il n'a jamais rien proposé à la nation congolaise sur cette question. Si c'est faux,
que j'invente des choses en privé, qui viennent en public proposer quelque chose au Congo. Rien, sauf les incantations, comme s'il était devenu les relais du ngwandisme à Kinshasa. Et c'est les mêmes incantations chez ces lieutenants. Est-ce que vous pensez que les discours... il est évasif et hein? Il est évasif? Non, pas évasif. Ouais. Évasif, c'est peut-être quelqu'un de réfléchi, mais qui veut botter en touche, oui, de manière délibérée. J'ai dit, il est dans les incantations. Dans les incantations, très bien. C'est un peu ça. Est-ce que vous avez rencontré aussi Mozito? Avez-vous parlé avec Mozito de la même manière? Si vous pouvez parler économie avec lui, ça va encore par le reste. C'est pas son fort. Comment vous avez trouvé l'homme quand vous parlez avec lui politique sur la question du pays, Mozito, oui, par exemple? Non, ça, c'est une faiblesse du Palou. Ok. C'est ça, Mozito porte cette faiblesse en partie. Mais c'est un parti, quand il est arrivé au pouvoir, le Palou, en 2016, qui n'avait pas connaissance des problèmes du Congo. C'est un parti fétichiste, enfermé à limiter derrière un gourou. C'était une sorte d'église. C'est un parti qui n'avait pas grande connaissance. Est-ce que le grand problème du Congo, ça, j'ai à vous. Je te donne un exemple. Oui. Ah, celui-là, il va se fâcher contre moi. Mais je le donne comme ça. Hein? Je n'ai rien contre lui. C'est un exemple. Si ça ne lui plaît pas, Godefroy Mayobo. Godefroy Mayobo rencontre quelqu'un que je connais. Il avait un livre en main. Godefroy Mayobo, en ce moment, est ministre, près le premier ministre. Ministre délégué. Près de Gizenga. Et avec l'âge de Gizenga, c'est lui qui faisait tout le boulot. Celui-là lui présente un livre. Il dit, vous n'avez jamais lu ça? Regarde, c'est un livre de Charles Onana. Et tu sais ce qui représente Charles Onana dans la région? Oui. C'est l'un des auteurs les plus connus. Le plus connu. Qui parle le plus prolixe sur... Oui, sur le, oui, Rwanda. Oui, 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 oui. Même si en réalité, il est plusieurs fois à côté de la, oui, plaque. Oui. Moi, je ne crois pas en beaucoup de choses qu'il écrit. Mais on connaît Charles Onana. Quand on arrive au pouvoir, on connaît, on sait. Puisqu'il faut faire des associations des fois pour régler des problèmes. Exact. À l'international. On sait, on peut utiliser tel réseau, tel... Dit à Charles Onana, c'était, je crois, le livre, c'est tout petit tueur. Dit, le livre tout petit tueur, je n'ai jamais lu. Et Charles Onana, il dit, il ne connaît pas. Il n'avait jamais lu Charles Onana et n'avait jamais entendu parler de lui. Qu'il m'excuse si ça les blesse. Non, mais ce n'était qu'un seul auteur. Il n'est pas obligé de lire tous les autres. Non, il y a des auteurs qui font référence, ouais, même quand on n'est pas d'accord avec eux. D'accord. Surtout ici, sur la question du Rwanda, ouais, et des relations du Rwanda avec ses voisins. Vous êtes obligé de lire. De lire, en tout cas, au moins une fois, Charles Onana. Oui, vous êtes obligé. Bon, ça, c'est ça, le Palou. Mm. Ça, c'était un parti fétichiste qui croyait en un gourou. On venait, on s'inclinait devant lui. Ah là, ah là. C'était ça. Mm. Et c'est ça, c'est qu'on ne veut plus au Congo. On veut des partis réfléchis avec des leaders qui comprennent les problèmes, des leaders qui discutent. Donc, qui proposent. Mozito a amené cette faiblesse. Oui. Il a été fait dans cette sorte de... Bon, sauf que lui, il y a au moins une partie que j'admire, c'est qu'il a eu un parcours, il a travaillé à l'inspection générale des finances, ça fait qu'il ça lui a apporté une certaine expertise en matière des finances publiques. Alors, okay, alors, mais pour le reste, il ne faut pas lui demander quoi que ce soit. Passons à autre chose. Regardons, analysons la position de Martin Fayulu, de Mozito, bref, de Lamouka. Ils disent que vous êtes trompé. Mukebai, Bemba, Katumbi, vous êtes trompé et vous allez vous faire rouler par Félix Tshisekedi parce qu'il ne s'agit pas d'une séparation entre Félix Tshisekedi et Kabila, mais plutôt d'une sorte de leurre. Ils se sont entendus. Kabila voulait se débarrasser de tous ses poulains. Il a dit à Félix Tshisekedi, ah bah moi, non. Tu m'as battu. En fait, là, tu leur analyses à eux. Non. Qu'est-ce que tu penses? Non. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je crois, Christian, que tu n'as pas suivi. Ils ont beaucoup évolué. Oh, ok, d'accord. Fayulu a reconnu que Félix s'est séparé de Kabila. Mais c'est il l'a reconnu. Du Rwanda. Oui, il l'a reconnu. Il dit, c'est plus Kabila, c'est Kagame qui dirige. Ah, d'accord. Ah, et puis, petite anecdote, dans l'entretemps, tu énerves un chef d'État en exercice, sans apporter la preuve que c'est lui qui est le régent ici. Bon, son ambassadeur répond, tu dis, on va aller marcher devant l'ambassade. Ben oui, le regard, t'as pas de nerfs ou quoi? Ben tu l'as attaqué, son ambassadeur répond, ben où est le problème? C'est des bandes de guerre. Mais il dit non, Kabila n'a plus d'influence. C'est une reconnaissance tacite. Puisqu'il était gêné, vous savez en politique c'est quoi? C'est que des fois on devient otage de ses propres positions. Les faits évoluent, mais puisqu'on n'a pas été capable de suivre, on trouve gênant, on trouve que ça va me tuer de reconnaître cette évolution. Et on s'enferme, et puis finalement on est coupé des réalités. Alors lui, quand il s'est rendu compte que finalement, Félix s'est séparé de Kabila,
dit, tiens, c'est vrai. Mais alors, à sa façon, lui, il dit, c'est Kagame qui dirige désormais. Oui. Bien avant, c'était pas Kagame. Kabila. Kabila. Ben, il disait que Kabila est Kagame. Mais alors que c'est plus Kabila. Non, 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 Kagame, non. Kagame, de temps en temps, c'était Kabila, Félix et les Pantins. C'était Kabila, Kabila. Alors, pour se sortir de ces pièges dans lesquels il s'était enfermé lui-même, qu'il n'y avait jamais eu rupture, c'est comme ça qu'il désigne une nouvelle cible. C'est comme ça qu'il cherche un nouveau faux fuyant. C'est une reconnaissance tacite. Et puis, tu remarqueras que ces jours-ci, hein, sur cette question-là, lui et ses détenus, ils bottent en touche. Oui. Parce qu'en fait, en réalité, il faut suivre des manières évolutives ce qui s'est passé. C'est qu'à chaque étape où nous avons été amenés dans une épreuve de force, ils ont attendu que nous échouions pour tirer les conséquences que nous avons échoué. Nous avons échoué de faire quoi? Il allait dire quoi? Oui. Parce que quand il y a eu petit bruit, quand il y a eu petite confrontation, face à l'adversité, à l'adversité kabyliste, ils ont tout de suite commencé à crier. Ils attendaient qu'on échoue pour dire quoi? Que finalement, c'est Kabila qui est toujours fort, non? Oui. Finalement, nous n'avons pas réussi à évincer le système Kabila, non? Mais du moment que Mabunda part, Ilunga part, puisqu'en politique, il est difficile de reconnaître que je m'étais trompé, de craindre d'y laisser toute sa crédibilité. Sur ces questions-là, ils se sont tués. Mais là, ce sont des hommes qui sont partis, mais le système est toujours là. Le système, il est bien parti. Vous nous affirmez que le système Kabila est tombé? Si. Le système, il est bien parti. Le système était ancré où? Et c'est là que ça a été le premier enjeu. Le système était ancré où? Dans l'armée et les services de renseignement. Quand nous avons commencé la bataille politique, si Félix ne s'était pas assuré les arrières avec l'armée et les services de renseignement, excusez-moi de commencer déjà à faire cette analyse-là aujourd'hui, nous n'aurions jamais obtenu ces résultats. Et c'est là-bas que les systèmes étaient les plus forts. Et puis ben, après, ramification, et puis au niveau institutionnel. Si on ne s'était pas assuré des arrières là-bas, rien. Et comme là-bas, les soutiens ont été obtenus, qu'il y a eu, sans qu'aucun d'entre nous comprenne comment ça s'est fait, un ralliement républicain d'une structure comme la garde républicaine. Vous entendez les discours de son chef aujourd'hui? Comment il s'appelle? Chiwewa? Oui, Chiwewa. Christian Chiwewa. Discours républicain. Oui. Ben, on dit qu'il est fanatique, il parle trop du président de la République. Bon, ok, peut-être, par exemple, il est un peu peut-être trop emporté par les nouvelles, l'élan de changement, il faut l'excuser. Et puis lui demander de modérer. Mais il y a eu un ralliement républicain. Donc, ces systèmes, c'est vrai que je ne peux pas prétendre aujourd'hui que ces systèmes-là, nous l'avons déraciné totalement. Parce que le problème, c'est lesquels? C'est que les gens ne comprennent pas. Les systèmes ne se résumaient pas qu'au contrôle au niveau institutionnel. Les systèmes Kabila, il y a des tentacules partout, à la DGI jusqu'au dernier agent. Oui. Chacun d'entre nous, oui, l'État. Donc, ce combat-là reste. Et donc, il faut continuer. C'est un combat de longue haleine. Alors, la question pour vous maintenant. C'est pourquoi il faut moins s'occuper des Fayoulou. Il faut les laisser gesticuler. De toutes les façons, il va bien faire son travail d'opposant, même s'il ne se reconnaît pas en tant que tel. Il faut les laisser faire son travail. Nous, il faut plus consacrer des énergies. En tout cas, je ne vois pas comment... Au travail. Je ne vois pas comment Luxus, les gars et les autres de l'amour vont vous aimer. Avec ces langages, ils ne vous aimeront pas du tout. Hein. M'aimer? Oui, ou pas du tout en tout cas. Bon, écoute, ils m'ont jamais fait de cadeaux. Et moi, à mon tour, j'ai toujours été prompt à répondre. Très bien. Ils me connaissent, moi je les connais. Très bien. Alors, on va... Donc, je ne leur fais pas de cadeaux. Si il y a des réactions, tu me connais, la réponse sera proportionnée. Peut-être même disproportionnée. Alors aujourd'hui, comment comptez-vous vous y prendre avec cette affaire de l'Union sacrée? Est-ce que Katumbi s'est fait rouler, selon certaines langues? Je ne pense pas. Alors, mais comment vous n'avez pas la tête des institutions? Je ne pense pas. Je vais y aller tout doux. Voilà, allez-y. J'ai toujours pensé, c'était un rêve chez moi, qu'il fallait un jour que les forces de changement se retrouvent. Parce que le premier pas accompli pour le Congo, c'est la fondation d'un État. Nous l'avons presque accompli, ces pas-là. Mais ce n'est pas encore. Ce qu'il faut maintenant de réformes pour consolider ces pas-là. Mais dans ces pas à accomplir, il fallait que chacun d'entre nous accepte de perdre quelque chose. Sinon, vous ne construisez pas l'État. Donc des concessions. Si nous avons perdu quelque chose, je l'accepte, puisque le Congo
à profiter. Et l'UDPS a perdu quoi? Je ne sais pas, c'est à eux de dire. Si nous avons perdu quelque chose, je n'en rougirai pas. Si quelqu'un m'a dit, je n'en rougirai pas, parce qu'il fallait bien créer ce Congo. Ce Congo qui va devenir un État et un cadre qui permet la véritable lutte démocratique. Vous ne pouvez pas mener la lutte démocratique dans un État en déliquescence. C'était ça le problème, comme il avait tué l'État. Allez, c'était de Jean-Marc, les finances publiques, et sont victimes de coulages de manière incessante. Et puis après, non, il fallait. Et ça a demandé à chacun de nous un sacrifice. Est-ce que ça a dérangé Katumbi? Moi, je ne pense pas. Ça a dérangé les rapports entre Katumbi et Félix Tshisekedi? Moi, je ne pense pas. D'accord. Et moi, le gouvernement, vous allez vous retrouver, vous pensez? Le gouvernement? Le gouvernement. Moi, je ne sais pas. Hein. Je ne suis pas très, très bien placé, puisque je n'ai pas été ni demandeur ni preneur. Il faut poser la question au mien, parce que je dois t'avouer que je n'ai jamais été associé à une discussion quelconque, à un quelconque niveau de mon parti, pour parler du partage. Non. Pourtant, vous êtes un bon stratège. Pourquoi non, non, je l'avoue et je ne m'en plains pas. Donc, il faut poser la question à ceux qui ont participé à ces réunions. Ils vous donneront leur point de vue. Il y a un autre sujet qu'on donne. Donc, moi, je pense que ce que nous sommes en train de faire ici doit être relativisé. En fait, nous sommes comme dans une étape de transition, à mon point de vue. OK? Ouais. Nous recréons le Congo ensemble. Bah, ce terme-là énerve les catholiques. Ce terme énerve. Non, 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 j'ai dit une sorte. Non, non, je ne vais pas les énerver. Je ne vais pas les énerver. Non, 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 je ne vais pas les énerver. J'ai dit une sorte, façon de parler. C'est-à-dire, nous sommes en train de recréer, en restant dans les limites constitutionnelles, nous sommes en train de recréer un Congo ensemble. Réformer, on finira pas de réformer. On va faire la réforme essentielle pour consolider l'État. Selon le plan de sortie des Fayoulou ou selon les idées que vous... Je pense qu'à ce jour, il faut écouter Fayoulou. Il faut l'écouter. C'est un courant. C'est un Congolais qui représente un courant. Il a des gens derrière lui, il faut l'écouter. Ok. Ouais. Moi, alors... je pense. Moi, je pourrais même aller jusqu'un jour à travailler pour favoriser que les chefs d'État le reçoivent. Si tant est qu'il accepte, moi je crois qu'il acceptera parce qu'il avait déjà mis de l'eau dans son vin quand il avait reconnu dans le plan de sortie de crise que Félix est président, même s'il n'a pas dit ainsi, et que moi, plutôt donnez-moi la direction de l'institution qui sera chargée de réforme. C'était une reconnaissance des faits. Je crois que nous pouvons continuer à travailler dans ce sens-là. Je suis de ces Congolais qui pensent qu'il faut intégrer le plus de monde. Pas dans l'Union sacrée, forcément, mais dans le Congo. Très bien. OK. Pour qu'à la fin, quand nous aurons à organiser les élections, que chacun se sente impliqué directement, surtout un leader. Moi, je ne nie pas la stature de Fayoulou. Hein, c'est que je ne trouve pas correct, c'est sa façon de faire, de vouloir prendre un bien commun pour une propriété à soi. C'est ça. Ces incantations. Ces incantations, c'est un très bien. Bizarre. Alors, changeons le chapitre, Moukebaï. Mm. Honorable Moukebaï, vous êtes député, comme je l'ai dit, mais quand on a été journaliste de votre trempe, vous n'oubliez jamais vos réflexes journalistiques. Ben oui. Quelles sont les informations que vous avez sur le déplacement de Kabila à Dubaï? Non, ça il faut comprendre que même si je garde le réflexe, mais j'ai plus les mêmes sources d'informations. Ah d'accord. Quand tu es journaliste, les gens te font confiance. Oui, mais quand tu deviens politicien comme moi, tu es une partie à la bataille. Oui, oui. Hein, tu donnes des coups. Oui, oui. Ah non. Que, bah, quand j'étais journaliste, j'entrais un peu partout. Aujourd'hui, il y a des endroits où je ne peux pas mettre mon nez. Oui, on ne peut pas me savoir. Donc, on nous dit qu'il est allé dans une. Non, non, c'est pas. Non, non, une conférence, je n'y crois pas. Kabila a été chef d'État ici. Il répondait presque jamais aux grands sommets mondiaux. Où l'intérêt de la RDC, les intérêts de la RDC étaient en jeu. Il n'y allait pas. On le savait, il n'y allait pas. Et chaque fois, ses collaborateurs disaient, non, il y a plus important à faire au pays. Il n'y allait presque pas. Sauf à l'inauguration de la Coupe du Monde. Hein. À l'Afrique du Sud, là, il est parti. Ah ben oui, Copenhague, tout ça, de grands congrès. De grands sommets. Ce qui est terrible, même Copenhague avec l'affaire du climat et tout ça, non seulement qu'il s'y était pas rendu, Mouzito non plus, qui était ses premiers ministres, le Congo était représenté au niveau ministériel. Alors que d'autres chefs d'État, Obama, de grands chefs, de premiers ministres chinois, avaient fait des déplacements. Alors tu vois maintenant que Kabila est quasiment à la retraite, il va aller dans une conférence pour, apprendre. Mais pas toute sa carrière de président de la République, d'homme politique, d'homme d'État, il n'a pas fait, c'est maintenant qu'il apprend ça. Donc, c'est la thèse d'une conférence. Ben non, quand tu vois dans les habitudes de Kabila, et puis excuse-moi, moi je n'insulte pas Kabila. Kabila, ce n'est pas un grand intello qui va te passer une journée à lire un livre
ou à suivre, ah, mais non, mais ou à suivre, vous n'avez pas celle, ou à suivre, passé du temps avec lui, ou à suivre une conférence. Mais vous savez que vous n'avez pas entendu, c'est que bah, ok, d'accord. Bin Gagoubi a dit, ses collaborateurs, laisse-moi ces flatteurs. Alors, laisse-moi ces flatteurs. Alors, je vais te dire, parlant de flatteurs, j'étais en train de prendre un pot. Je vois un gars, c'est un néné, plus âgé que moi dans mon quartier. Il passe par où j'étais, il était ivre, ivrement. Mais il m'emmerde, il insiste que je lui offre un pot, je lui offre deux bières. Et puis il me dit, petit, je vais te faire un conseil. Moi, je dis, bah, celui-là, dans l'état où il est. Il me dit, petit, tu sais ce que c'est la flatterie? Moi, dis nous. Il dit, la flatterie, ça, je le cite, textuel, la flatterie, c'est comme la fausse monnaie qui détruit celui qui la reçoit. Voilà, la fausse monnaie, quand on te la donne, elle te détruit. Tu vois? Dans ce moment, la flatterie, quoi. Ah ben alors, ça détruit celui qui reçoit ça. Comment il s'appelle? Bin Kaloumi. Et les autres n'ont amené que la flatterie à Kabila, de la fausse monnaie, et la fausse monnaie à d'autres Kabila. Mais ils ont dit Kabila, c'est quelqu'un d'intelligent. Mais c'est ça que je t'ai dit. Préféré de Kabila, c'est la lecture, mais. Non, c'est pas ce que nous avons appris. Je le respecte, il est là, je vais pas entrer dans des détails. Alors, ils ont amené à Kabila la fausse monnaie, qui est la flatterie. Voilà où se trouve Kabila. Alors, ce que moi, je sais, c'est que Kabila s'est senti en insécurité. Reviendra pas, je me pose la question. Ça, j'ai pas d'informations. Si, ils ont dit qu'il reviendra dans 15 jours, il bon, est parti. Bon, ok, mais je ne crois pas à cette affaire de conférence. Oui. C'est pas dans les habitudes de Kabila. Sinon, alors, c'est une première. Mais pourquoi une coïncidence? Quand on lui retire la garde, c'est ce que j'ai dit. Il s'en va. Moi, en tant qu'analyste, oui. Kabila s'est senti en insécurité. Il avait sa garde, qu'il commandait lui-même. Oui. Qu'il connaît. Tu vois, au niveau de Kabila, quand on est resté là au pouvoir, à croire que le Congo est sous ses pieds, et puis un matin, on vous change votre garde rapprochée, on vous place des policiers que vous n'avez pas choisis. Pour lui, c'est un message, non? Je suis en insécurité, ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Et on accuse. Peut-être qu'il s'est éloigné le temps de parler, parce que ce que je sais, semble-t-il que le président de la République lui parle quand même, de temps en temps. Ouais. Si ce n'est pas au téléphone, en tout cas par émissaire interposé. Et c'est ce que j'encourage d'ailleurs. Ok? Parce que nous ne sommes pas des ennemis. S'il y a des comptes à régler, que des gens ont des factures à payer, ils les payeront. Est-ce qu'il ne faut pas traiter Kabila comme un ancien président? Mais attendez. Au lieu de... Mais attends. Oui. Mais attends, qu'y a-t-il de mal? La République a décidé de lui commettre des policiers. Qu'il n'a pas choisi. Qu'il n'a pas choisi. Pourquoi que ce soit lui qui choisisse? Mais ça reste, c'est dit où? Mais ça reste quand même un ancien président. Ben oui, qui lui a fait du tort. C'est lui. Mais vous lui retirez tout. C'est lui avec tout son passif, oui. Qui a peur, même quand une mouche vole autour de lui. C'est lui, c'est ça. Vous pensez qu'il a peur? Oui. Peur de qui et pourquoi? Mais c'est tout ce qu'il a fait. C'est un homme apeureux. Moi, je l'ai constaté le jour de sa dernière conférence, je ne sais pas si c'est la dernière, sous la rotonde au Palais de la Nation. En plein jour, il y a du monde. Il y a une caméra qui tombe, le craquement de la caméra qui tombe. Kabila sursaute. L'endroit où il est le mieux sécurisé. J'ai rigolé, j'ai dit, regarde le plus faible d'entre nous tous. C'est lui, c'est gars. Mais je t'ai dit, en plein jour, les gens sont là, les invités, mais monsieur, tu caméra sursaute. Caméra, quoi, Yalengi. Ah oui, l'endroit où il est le mieux sécurisé. J'ai compris, c'est ça son problème. Et il se demande, ça viendra d'où. C'est ça le problème. Et faire Dubaï qui va se sentir en sécurité. Ben, il sait que Dubaï, c'est, semble-t-il, selon plusieurs sources, là, le gros de ses investissements. Ouais, Dubaï n'est pas signataire des statuts de Rome. Ben, il fait ses calculs. Peut-être ça. Mais sa femme est ici au Congo. Sa femme n'a pas. Mais ça prouve qu'ils sont encore là. Qu'est-ce que sa femme a à se reprocher? Ben, je ne sais pas. Mais alors, est-ce que vous êtes au courant? On accuse les policiers d'avoir vandaliser Kingakati, Bakomote Kabantilope, on nous dit ça. Ça, on n'a pas de code. Nazagoba, le côté à l'IFAN, c'est Tikana Bananinga. Le voilà, Lingala. Balobi, Bampoulouchi, Bako, Batokabe, Bakomole, la Bantaba. Yakabila, Bapondou. Oui. Ndekonanga Bosembe, Yonanga Tolela Mini. Tolela aussi. Tolela Chebea. Batonata, il y a 40 mois à barrer. Bato NCC 200 mois. Il y a là que Koufa. Tolera mingi. Tolera. Ndeko. Toi, on attend encore Karanate. Tolera. Vous consacrez ça. Toi, on attend encore Karanate. Donc, vous consacrez l'injustice, vous consacrez la barbarie, vous Obi? Consacrez les vandalismes. Bango, il y a un grand tabac. Bisso, tu es là, tu es là, moi. Bango, il y a Pondou.
biso de na bato na nzoto bato to leka ngoto mona ngoto nzoto bazana nzoto ama tungulu biso yelika kantaba te to lela mingi to na ngonga wana te très bien okingai to lela mingi alors to lela bato to comprendre bo vandi bobia chebe akei o vandi bo kanicho bia bazana na nzoto na ye boleli bolobite luka bato boko bana bango baba tote boko bana bikeko bo pesa tanto to pamba to sa matanga ya fidele bazana azaka moko na biso mu fidele bazana aka moto te wazai ko makabwa do de yebo motambu simu tukaseli nini tolela tolela biso mayami sisi na biso ndengo mona kabu mungungu kenda tala tele lo bako sambisa makambo ya osi chimanga bango bako ya bentaba be pondu na mbuli makangi mbuli antabo ya be mbuli ba mimi na yete tina na sele tolela bateka ya biso tolela tele su na tango ko na tabate. Alors, Mike Mukebai, tu comprends aussi, voilà. Maintenant, alors, on va prendre un autre chapitre pour terminer, avant de prendre la ville. Comment voyez-vous Samalou Kondé et la sortie de son gouvernement? Quelle analyse faites-vous sur ce qui va être fait? Non, c'est très compliqué que j'anticipe là-dessus. Je ne peux pas commencer à préjuger de ce qui va être fait. Je verrai d'abord les castings. Je suis très favorable à ce qu'il y ait de nouveaux visages, mais choisi sur base de critères objectifs, de compétences, de moralité, d'intégrité. Je suis vraiment très favorable, tout autant qu'il y a des figures qui mériteraient un Mende, ça mériterait, c'est pas seulement moi, mais l'opinion. C'est pas un combat d'individus. Non, c'est pas un combat d'individus. Vous savez, construire c'est en politique, c'est aussi la confiance. Quand vous mettez un Mende là, vous tuez cet espoir que nous attendons de Congolais. C'est un peu ça. C'est ça la réalité politique. C'est pas un combat d'individus. Je crois que les chefs de l'État le sait. Mais écoute, après tout, c'est mon point de vue. Il faut qu'on me laisse les données. Mais je suis favorable. Je voudrais voir de nouvelles figures, des figures qui émergent. Mais je ne voudrais pas dire qu'il n'y a pas d'anciens qui sont bons, qui ont la compétence. Vous n'allez pas renouveler le tout à la fois. On a besoin aussi de l'expertise, de l'expérience de ceux qui ont passé beaucoup d'années là-bas. Donc c'est un peu ça. Quelque chose de bien, de savamment dosé, en tenant compte de la représentation femme, mais aussi de personnes vivant avec handicap. Mais ce que je veux dire au chef de l'État, c'est que je remarque que quand nous disons personnes avec handicap, nous ne faisons focus que sur ceux qui ont des infirmités physiques. La mobilité, mais personnes avec handicap, vous avez des malvoyants là-dedans. Les malvoyants. Des albinos. Vous avez des albinos, vous avez 3-4 catégories. Il faut élargir ça. Très bien. Alors, je m'en voudrais si je ne pose pas cette question. Elle est d'ailleurs d'actualité. C'est la question des évêques. Je ne sais pas d'où vient le fait, mais j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui veulent opposer l'Église catholique au président de la République, ce qui n'a pas l'intention. Tout commence par un communiqué. L'Église catholique dépose un mémorandum, je ne sais pas moi, un document dans lequel ils parlent de beaucoup de points, mais le point qu'ils ont épinglé le plus, c'est le point de des élections. La direction des cabinets, la direction des communications du président trouve ça très indigeste. Il rétorque. Alors quand il rétorque, ça devient très, très mal perçu. On attaque la direction du cabinet. Et puis c'est les porte-parole du président de la République qui revient pour dire ces propos n'engagent pas le président de la République, ça engage la direction. Tout est parti de là. Quel est votre point de vue? Bon, ben, ce que je veux d'abord qu'on comprenne, c'est que l'Église catholique a été le poil à gratter de Kabila. Elle restera les poils à gratter de Félix et deviendra peut-être demain les poils à gratter de Christian Bossembe. Elle est là. Elle donne ce coup de gueule. Il faut s'y faire. Elle est là. Chaque Congolais est libre de donner son point de vue sur la marche de la nation, des affaires publiques. L'Église catholique davantage en sait qu'elle représente une force sociale. Vous ne pouvez pas la contourner. À la limite, vous la laissez tranquille. Mais vous la combattez pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous la combattrez, elle restera là, et ça change rien. Il n'y a pas un temps favorable pour faire une déclaration, et un autre temps qui ne l'est pas. L'Église est libre de faire cette déclaration à n'importe quel moment donné. À n'importe quel moment donné, du cheminement pendant un mandat. Un an avant, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Nous sommes en démocratie. L'opportunité, c'est elle qui en juge. Je ne sais pas si nous comprenons. Très bien. C'est elle qui en juge.
il y a juste de l'opportunité, et fait un rappel. Mais c'est la réponse du cabinet qui fait un communiqué, et le communiqué qui est même par la suite désavoué. Un communiqué qui tend à faire croire aux détracteurs du chef de l'État qui n'est pas disposé à organiser des actions en décembre 2023. Le chef d'État n'y gagnerait rien à entrer dans un glissement. Ça ne lui profiterait nullement. Ça va renforcer Fayoulou. Ne me demandez pas, moi, Moukeba, de jouer ce jeu-là pour que Fayoulou nous mette mal à l'aise ici et qu'il trouve la force de nous mettre en difficulté. Je ne jouerai pas ce jeu-là. C'est clair. Ça ne profiterait jamais à la chef d'État. Il va perdre du crédit à l'interne et surtout à l'international. On ne gagne jamais que les gens se mettent ça en tête. On ne gagne jamais des élections avec les partisans de son propre parti. C'est la majorité silencieuse qui décide dans l'urne, qui ne fait pas partie d'un parti politique. Et elle est regardante, contrairement à ce que nous pensons. Elle sait que nous avons houspillé, poussé Kabila jusque dans ses derniers retranchements sur cette affaire du délai constitutionnel. Ne nous faisons pas prendre au piège. C'est tout ce que j'ai dit sur cette question. Pour le reste, qu'elle dise, moi je suis des fois à contre-pied de l'Église catholique. Quand elle fait une déclaration, mais je ne le dis pas, tu ne fais pas. Mais j'ai dit ça, je ne partage pas. Donc, je critique. Vous pensez que la communication du président n'aurait pas fait ces déclarations-là? Je crois qu'en réalité, à mon point de vue, il ne fallait même pas répondre. Il ne fallait même pas répondre. Moi, je pensais à ça aussi. Ouais. Il ne fallait pas répondre. Elle a fait une déclaration, le fichier de temps continue. Parce que dans le communiqué, il y a beaucoup de points. Mais pourquoi vous ne répondez que sur la question? Ouais, il ne fallait même pas. Du coup, les gens se disent, mais donc, vous avez des choses à cacher. Et d'ailleurs, là où ça devient un peu plus suspicieux, c'est que, il y a quelques mois, quelques semaines, les Belges ont fait une déclaration quasi analogue, allant dans le même sens, tout autant que l'Union européenne. Pourquoi s'irriter quand c'est l'Église catholique? C'est cela le problème. Mais est-ce que bon, et puis après les gens parlent de révocation, il faut révoquer la direction de la presse de la communication. Bon, ça c'est la cuisine interne. Moi je trouve ça assez. Je ne sais pas comment fonctionne. Ouais. Si c'est vraiment une faute professionnelle et que ça a été fait sans que le chef ait donné le feu vert, c'est à eux d'apprécier. Moi je sais pas comment ça fonctionne. Et puis, je sais que la politique s'en mêle toujours. Des fois, en politique, on dit, vas-y, fais-le. Mais quand l'effet boomerang arrive, on dit, on accepte, on va te désavouer un peu. Je ne sais pas à quel niveau situer la responsabilité, mais c'est la cuisine interne. Le plus important, c'est de rassurer le Congolais. Qu'il y aura élection. Qu'il y aura élection. Le plus important. Alors, mais de toi à moi. Parce que, à part ça, hein, au sein de l'Union sacrée, personne ne donnera un chèque en blanc à un autre, hein. Ça, il faut que les gens se le disent. Hein. Mais Félix, il va dans un glissement. Bemba et Katumbi, une hypothèse d'école. Bemba et Katumbi disent, nous nous retirons. Ça ne l'affaiblit pas. Alors, mais il faut penser à tout ça. Je voudrais que l'on réfléchisse aussi. Mais tout ce que moi, je ne veux pas, c'est qu'un jour, je me retrouve en difficulté, dans un glissement, incapable de répondre aux Congolais, et que je sois obligé de prendre mes responsabilités. Je ne voulais pas qu'on m'embête dans cette situation-là. Oui, alors, mais réfléchissons, Moukebaï. Vous avez dit que l'État est dans une situation de déliquescence. Oui. Tout le monde a parlé que l'État est faible, l'État est fragile, l'État. On a tout dit à l'État. Oui. Est-ce que le moment n'est pas arrivé pour que l'on s'arrête un peu, que l'on reconstruise ce pays, que l'on rétablisse un fichier électoral qui correspond aux normes et qui rassure tout le monde, et puis on dit, bon, on organisera les élections un peu plus tard. Bon, deux options. Oui. Je vais te répondre. J'étais préparé à cette question. La première option, elle est l'option d'ordre constitutionnel. Oui. Elle ne se discute pas. OK? La Constitution dit à date fixe. OK? Oui. La deuxième option, de s'arrêter et de dire est-ce qu'il ne faut pas le faire. Mais ça n'appartient pas à un seul individu. Ce n'est pas de manière unilatérale. Il faut ça demande, mettre ça à un référendum. Ah oui, ça demande de discuter. Mais il y a des gens qui vont cette question-là. Oui, oui. Il y a des gens qui refuseront la tentative. Ça dit, je ne te dis pas que je suis favorable. Je comprends, on analyse. Mais j'analyse. J'essaye de voir toutes les possibilités. Même celles que je n'approuverai pas. J'ai dit, la deuxième possibilité demande un consensus. Une voix pour que les autres y adhèrent. Mais quoi que vous fassiez, vous auriez une vive opposition dans cette voie-là. Exactement. Tous ceux qui pensent attendre votre échec vont rebondir. Donc vous n'aurez jamais tous les Congolais et ça ne sert à rien de se risquer sur cette voie-là.
Et les autres vont s'appuyer sur la Constitution. Mais est-ce que ce n'est pas l'hypocrisie constitutionnelle? Quand vous avez parlé de référendum, vous prenez par exemple l'hypothèse. Oui. Ben, vous allez refuser d'organiser les élections, mais organiser un référendum pour aller dans un compromis politique. Vous avez le même coup. Voilà, oui, c'est très, très compliqué tout ça. Mais justement, est-ce qu'il faudrait qu'on ait peur de ce qui est compliqué ou il faudrait affronter le problème? Est-ce que nous vivons dans une république, nous acceptons de vivre dans une république électocrate où nous ne faisons que des élections, mais que le rendez-vous au terme social, on n'a pas, le rendez-vous de sécurité, on n'a pas. Non. Il faut comprendre que les élections sont un moment particulier. Les élections n'empêche pas les autres. D'accord, ok. Soit un moment particulier pour arriver à un consensus national autour des animateurs qui seront appelés à diriger. Si vous n'avez pas les consensus là, si vous n'avez pas cette adhésion, vous n'avez pas le reste. Nous l'avons reconnu dans les préambules de notre constitution que les différentes crises sont dues à l'absence de légitimité. Donc nous ne nous contredisons pas. Ou alors il faut refaire rebelote. Dialogue intercongolais. C'est encore une perte de temps. Donc, nous sommes plus ou moins d'accord. OK. Alors, sur le grand problème à résoudre, qui sont peut-être des problèmes, à mon point de vue, transversaux. Transversaux, dans le sens qu'ils peuvent transverser des mandats et des présidents. Mettons-nous d'accord qu'un chef d'État peut commencer et qu'un autre. Par exemple, si nous n'avons pas le moyen d'organiser le recensement en 2 ans, qu'un quelqu'un commence et que si, il est réélu, tant mieux, mais que l'autre poursuive. Et que ça n'entache pas la régularité des élections. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que ça a été réfléchi ainsi, et que moi, je partage cet avis-là. Qu'il nous faut plusieurs cycles électoraux pour qu'enfin, nous soyons maîtres de ce processus-là. Quand nous arrêtons, c'est un recul. On aura perdu tout ce qu'on a fait déjà. Tout ce qu'on a fait, c'est ça le grand danger. Il faut reculer pour mieux sauter. C'est les débats qu'il faudrait finalement engager. C'est un peu ça. Oui, pour ça. Mais il faut un débat, hein. Il ne faut pas momifier certaines choses. Hein, nous sommes dans une société démocratique. Il ne faut pas qu'on pense... Politiser certaines questions. Ouais. Voilà. Hein? Alors, la société démocratique a pour particularité que tout est détabouisé. Oui. Hein, on en débat et on lève de grandes options. C'est un peu cela. Mais pourvu que ce soit le vrai débat, pas des incantations. Alors, avec des propositions concrètes. Très bien. Mec Moukébaye, vous êtes aujourd'hui honorable député provincial. La ville de Kinshasa, selon certains analystes, n'a jamais connu ce qu'elle est en train de connaître maintenant. Ça veut dire l'insouciance face à l'insalubrité, l'insécurité. On est en train de vivre, selon certaines personnes, une sorte de décadence, sinon de la déchéance de notre société, mais on est en train de le voir. Ce sont les conséquences que j'ai décriées d'une mal-gouvernance qui a commencé depuis l'arrivée de Jean-Tiny Mobile aux affaires. Je ne dis pas que Kimbuta, lui, c'était un bon gouvernant. De toute façon, entre les deux, c'est blanc, bonnet blanc. Tu parles au même. Ça a commencé depuis son arrivée en avril 2019. Avant tout, le prétexte, c'était on m'a laissé un fardeau de dettes. Il a commencé par chercher des prétextes pour justifier son raté d'entrée du jeu en 2019. Sans dire la dette était estimée à quelle hauteur et combien il avait payé. Et les journalistes ont été incapables de lui poser de questions. Et ce qui est dommage, excusez-moi, je m'en prendrai toujours à la presse, c'est que les journalistes y vont pour poser des questions complaisantes. Il y a des vrais problèmes de la ville. Malheureusement, Jean-Tiny, ses conférences, ses tortues médiatiques sont toujours préparées. Les journalistes sont surconvenus. C'est qui est dommage. Dommage, mais les problèmes restent là. Alors, oui, mais c'est dommage. Non, ça c'est un appel à la presse, à la responsabilité pour nous aider. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir une bonne démocratie si vous n'avez pas une presse libre et indépendante. C'est aussi ça, la difficulté. Mais la presse est à l'image du pays. Oui. Hein. Elle s'élèvera avec nous, mais il faut l'interpeller. OK, je sais ce que c'est la presse. Elle peut faire bouger les lignes. Rapidement. Alors, vous avez cette malgouvernance, les budgets de la ville, l'incapacité à mobiliser les recettes et à exécuter les budgets tels qu'il est voté à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La preuve, le budget qui a été voté ici, sais-tu dans quelles conditions il a été voté? Avant d'arriver au vote du budget, à l'examen au vote du budget, vous commencez par la reddition du compte. Et la loi de finances est claire, la reddition du compte doit être accompagnée de ce qu'on appelle les rapports de la Cour des comptes. Donc, ça signifie que le gouverneur soumet la reddition de comptes à la Cour des comptes et quand la reddition de comptes vous parle bien, vous avez le rapport de la Cour des comptes. Jean-Tiny Ngobila n'a jamais envoyé
sa reddition de comptes à la Cour des comptes. Et la loi dit que s'il n'y a pas de rapport de Cour des comptes, vous n'examinez pas la reddition des comptes. Mais la reddition des comptes a été examinée. Dans cette assemblée. Et vous avez vu ce jour-là, j'étais dehors, Magloire Kabemba, Rifin Bamboudida, Peter Kazadi, Jerry Dikala, et tous les collègues de l'UDPS, honorable Thérèse Massango, pour dire non, on ne peut pas marcher sur la loi. Mais... ça ne pouvait même pas se discuter. Mais la question a été soumise aux voix. Accusez-vous. Et on a marché sur la loi. Vous, vous accusez le laxisme du professeur Golepoï Oui, d'avoir laissé faire. Et un complot entre Gentini et la dernière majorité qui était FCC, qui est en train de basculer pour devenir aujourd'hui la majorité Union Sacrée, mais pas avec les mêmes attitudes. Ah, ça ne passera pas. Et c'est ça, Gentini Gobila. Incapacité de mobiliser des recettes. Si vous n'êtes pas capable, comment vous pouvez faire le travail? Exactement comme, comment s'appelle Kimbuta, dans la culture de la cueillette, on se contente de ce que la ville produit, ce qu'on a trouvé, et dans une gabégie totale. Alors, mais quand il arrive, vous parlez de la ville, quand il arrive, il n'a pas de programme, il n'a pas une vision de la ville, il ne sait pas qu'en faire. Si, mais il n'a quand même pas. Ah non, je vais y arriver. Oui, je vais y arriver. Attends. Oui. Il trouve une structure chargée de l'assainissement de la ville. Elle s'appelle Raskin. La structure est en faillite. Kimbuta l'a laissé en faillite. Elle s'appelait RATPK, avant de devenir Raskin. Kimbuta l'a conduit à la ruine. Et puis, il abandonne, comme toujours, hein, il nous a laissé beaucoup de cadavres dans le placard. Il abandonne RATPK. Il crée sur le cendre, le ruine de RATPK. Il crée Raskin. Il laisse le fardeau des dettes, des arrières là-bas. Et ici, Raskin, quelques mois plus tard, se retrouve dans les mêmes conditions que RATPK. Soit Kimbuta est déjà parti. Gentini Gobila arrive, au lieu de réhabiliter Raskin, de lui donner les moyens, parce que Raskin a l'expertise et l'expérience en matière d'assainissement, Gentini Gobila lance Kinshasa Bopeto. Moi, j'ai pensé que c'était un programme. Non, c'est toute une structure, avec un coordonnateur. Donc, double dépense, il crée un doublon. Kinshasa Bopeto n'était pas un programme. C'est pas un programme, c'est une structure avec un coordonnateur. Comment ça? Mais oui, un des représentants dans les communes. On nous a présenté. Je vous dis, c'est une structure. Oh là là. Programme porté par une structure. OK? Combien d'argent a été mis dans Kinshasa pour peut-être personne laissé? Qu'est-ce qui a été fait? C'était quoi l'objectif? C'était juste un slogan. Les journalistes n'ont pas assez investigué là-dessus, n'ont pas posé de questions. Un programme suppose des limitations dans le temps, dans l'espace, les objectifs, le coût. Rien n'a été précisé. Et il était en première ligne lui-même, en bleu de travail, la combinaison de travail, hein, pour vous montrer Kinbopeto. Quand Kinbopeto échoue, et que maintenant, il a clamé en public, Kinshasa sans mauvais de partout, Gentini Gobila cherche maintenant des fusibles, des boucs émissaires. Ce sont les boumers. Si vous voyez de la saleté quelque part, appelez-nous, nous allons sanctionner les boumers. Monsieur, et Kinbopeto, répondez, quel est le bilan? Combien de moyens avez-vous mis à la disposition de Bourmès depuis que vous êtes là en ce qui concerne l'enseignement? 10 000 dollars, une fois. Peut-être qu'il y a une deuxième fois, je suis pas au courant. 10 000 dollars. 10 000 dollars, une seule fois, et c'est avec ça. Au jour d'aujourd'hui, combien de moyens vous mettez à la disposition des communes? Zéro balle. Une commune comme Kimbanseg, à 10 000 dollars, ils font, les Bourmès font quoi? Ce n'est pas que je défends le Bourmès. Mais les Bourmès n'ont pas le moyen. Et la ville, la preuve qu'elle sait que les Bourmès n'ont pas le moyen, elle sait elle-même donner deux structures, doublons, pour le même travail. Mais il y a pire, c'est que les bourgmestres font. Ces mafieux qui rançonnent la population tous les jours. Chaque jour, ils signent des petites autorisations qu'ils appellent autorisations précaires et révocables. Ils te mettent un commerce dans la rue, tu payes 500 dollars, il n'y a pas de quittance. Mais ils te disent, si tu es chassé de là demain, ne reviens pas. C'est bien dit précaire et révocable. Gentil n'est pas au courant. C'est de l'escroquerie, on escroque mes compatriotes tous les jours, mon peuple de Kinshasa. Ça, il n'est pas au courant pour sanctionner les bourgmestres précaires et révocables. C'est partout ici quand tu sors. Ça, il n'a pas vu. Donc, ils ont une autorisation précaire et révocable. C'est comme ça que c'est dit. Et on te prévient. Oui, on peut te chasser à tout moment. À tout moment. Et tu perds tout. Tu perds tout. En fait, tu n'as aucun droit là-dessus. Mais toi, tu as payé et tu n'as aucun document légal qui montre que tu as payé. Et ça s'est fait tous les jours. Mais en tant que ça, il attend quoi? Mais en tant que député, est-ce que vous avez documenté ça? Documenté les documenter toutes ces choses-là. Mais tu sais, tout le travail, quand je t'en parle ici, j'attends la rentrée.
J'attends la rentrée, je vais amener toutes ces questions. On attend de revoir parce que c'est le travail. Parce que je ne sais pas combien de gens ont été rançonnés dans cette histoire. Ils sont rançonnés tous les jours dans cette affaire d'autorisation précaire et révocable. Tous les jours. Et ça, en fait, c'est les gagne-pain de Bougoumès. Mais pourquoi? Ils vivent de ça. D'abord, pourquoi avoir un document comme ça? Précaire et révocable. Comment? Et vu qu'on te donne de l'argent pour ça. Ouais. Ça, Gentilly n'est pas au courant. Donc, je paye à midi, à 16h. Si on vient, oui. Je suis foutu. Je te donne un exemple. Oui. Gentilly a amené un projet flou sur le terrain Comet. Je suis à la tête de la commission qui enquête là-dessus. Mmh. Je ne peux pas trop dire là-dessus, parce que je suis président de la commission, mais je t'ai dit, c'est n'importe quoi. J'y reviendrai avec force détail, et je suis sûr que ce jour-là, Gentilly n'aura pas de réplique. J'ai tous les éléments maintenant. Mais quand on amène ces projets-là, il y avait des Quinois qui étaient en train de construire des kiosques, d'aménager sous couvert de précaires révocables, qui ont été jetés dans la rue. Mais qui ont été révoqués parce que c'était précaire. Est-ce que tu comprends? Est-ce que Gentilly pense même les problèmes aux problèmes des Quinois? Est-ce qu'il connaît les véritables problèmes des Quinois? Comme celui-là dont je parle, là, précaire et révocable. Est-ce qu'il est pire que Kimbuta? Hein? Gentilly. Ah, oh, je crains fort que oui. Regardez le marché central. C'est avant tout, assainissement. Ça fait plus d'un mois que le marché central. Il n'y a rien qui s'est fait. Ouais. Et puis un jour, le journaliste. Le harcèle, lui met de la pression. Il avoue finalement que ce n'est pas de l'assainissement ni de la réhabilitation. J'ai un nouveau projet. À 30 millions de dollars pour un centre commercial, 65 000 places. Bravo, M. Gentilly, pour la modernisation. Mais que faisons-nous des vendeurs du marché central? Nous devions d'abord réfléchir en amont sur leur installation. L'as-tu fait? Non, il n'a pas fait. Mais ce qui est terrible, c'est que la gouvernance à Kinshasa est bâtie sur les mensonges. Le gouvernement passe, il dit... Je crois que là, c'est pour jeter de la poudre aux yeux du chef de l'État. Non! Marché Rail 24, on a installé 3500 vendeurs. Allez-y voir si c'est possible de mettre 3500 vendeurs. Moi, je suis descendu sur le terrain. Capacité des tables là-bas, c'est 800. Donc, il a menti. Faux! Prends ta caméra, Marché Rail 24, prends les déclarations de Gentilly, il dit 3500. Il s'enferme dans son bureau, il ne descend pas sur le terrain. Ces marchés-là sont construits dans le désordre total. Il y a des individus chez lui, 2, 3, 4, je ne sais pas quelle responsabilité ils portent dans la ville de Kinshasa. C'est eux qui l'appellent. Ah, on a découvert un endroit où on peut installer un marché municipal. Mettez un marché. Ils connaissent toujours pour grossir des chiffres. Ils disent, nous avons trouvé un endroit pour mettre 3000 tables. Ah, mettez là-bas. C'est comme ça que ça s'est fait. En réalité, c'est pour mettre 300 tables. Parce que eux vivent de ça. Allez-y enquêter sur ce marché. Qui a financé tout ça? Comment ça se passera? Qui va rembourser? Comment on va rembourser? Désordre total. Ça, c'est du Gentilly. Et c'est pourquoi... Et dans l'entretemps, il vous dit un projet de 65 000 places. Et il dit qu'il va le présenter au chef de l'État. Et j'ai dit au chef de l'État, commencez par poser la question au gouverneur de Kinshasa. Ces projets-là, ils vous amènent la maquette. L'appel d'offre est passé où? Un projet à 30 millions de dollars. La question... L'appel d'offre? Oui. Bon, et quand vous avez vu la maquette? Elle a circulé dans les réseaux sociaux. Si, on a vu la maquette. Vous voyez ces projets-là? Vous les trouvez réalisables sur cet endroit-là? 65 000 places et un parking de 10 000. Vous n'êtes pas ingénieur. J'ai parlé avec des experts. Oh, d'accord. Des experts, pardon. Ils m'ont dit, ce projet-là n'est pas réaliste à cet endroit-là. C'est un projet à ériger dans des zones non urbanisées, à Maluku, en Tchélé. À cet endroit-là, sous le marché central, il y a des collecteurs. Des tuyaux de régie des eaux, des câbles, c'est très très compliqué. Mais regarde la maquette elle-même. Où est le parking? Où est le parking? Je voudrais poser une question pour terminer ces débats avec Mukebay. Dites-nous, parce que vous êtes aujourd'hui le porte-parole de Lingwala, selon des citoyens de Lingwala, vous êtes les députés. Est-ce que Gentilly Ngobila n'est-il pas accusé à tort? Est-ce qu'il a le moyen de sa politique? Ah ben s'il n'a pas le moyen de sa politique, c'est qu'il faut mettre en place une politique pour mobiliser davantage de ressources. Mais la COVID a frappé tout le monde. Oui, tant mieux, tant mieux. Mais moi, j'ai des raisons de croire qu'il y a de l'argent dans cette vie. Il y a trop de coulages. Attendez à gérer, peut-être. Non, je suis député, je n'attends pas. Je t'ai dit, il y a trop de coulages. Moi, je veux te dire une chose. Allez-y, mais aidez-nous la presse. Allez-y voir comment les ports ici, les ports urbains ici, sont désordonnés. Mais vous n'allez pas dire qu'il y aura tout l'argent. C'est ça qu'on aura tout l'argent. Je vous indique déjà une source. Ah, d'accord. Il y en a plusieurs. Okay. Les ports urbains ici, c'est désordonné. Il n'y règne
aucune loi. Et Gentini Gombila a la particularité de ne jamais répondre au courrier. Les armateurs, le responsable des ports, le promoteur, lui ont écrit plus d'une fois pour qu'il prenne ces problèmes-là à bras le corps. Il n'a même pas daigné répondre. Mais quelle est la poule aux oeufs de Kinshasa ? Je suis en train d'y aller. Aujourd'hui à Kinshasa ? Je suis en train d'y aller. Vos principales sources de revenus ? Je suis en train d'y aller. Oui. Vous avez la taxe vignette. Ce n'est pas la COVID. Posez la question, le taux de recouvrement, il est à combien ? Est-ce que c'est la COVID qui mange les restes ? Taux de recouvrement en 2020. En 2019, il n'y avait pas COVID, le taux de recouvrement est à moins de 10%. Comment voulez-vous faire prospérer la ville de Kinshasa quand le taux de recouvrement de la taxe vignette est à moins de 10%? Vous avez dans la ville de Kinshasa des gens qui roulent avec leur véhicule. Président de la République, laissez passer. Monsieur, bon, te laisse passer, tu vas où? Quand il vient le moment de payer la vignette, il ne paye pas la vignette, il dit, yo, moniteur. Il faut interdire ça. Mais il y a aussi la presse, pardon, tout ça. Beaucoup, pardon, hein, pardon. Appareil judiciaire. Attends. C'est une mentalité. Attends. Mais vous voulez chercher l'argent. Il y a des gens qui se cachent derrière leurs institutions qui ne achètent pas la taxe vignette. Laissez passer le président. Qui vous a dit que quand vous travaillez à la responsabilité du public et que même le véhicule de l'État n'achète pas la taxe? Qui a dit ça? Que l'État était nous honoré d'acheter la taxe vignette? Qui s'est écrit où? Oui, il y a tout partout ici, surtout vous de la presse, laissez passer. Justement. Mais monsieur, vous allez où? Ouais, vous sortez de chez vous pour aller au boulot, laissez passer, et au moment de payer la taxe vignette, tu n'as pas vu? Il y a des plaques ici, trafiquées. Tu vois un type avec une taxe de l'État, mais monsieur, en réalité, il n'a pas droit à cette plaque. Et au moment de la vignette, monsieur, tu peux passer devant, tu ne vois pas? Qui vous a dit que l'État est exonéré, que les véhicules de l'État sont exonérés de cette taxe? C'est tout ça! Est-ce qu'on y a réfléchi? Est-ce que vous avez fait des... Vous avez dans la ville de Kinshasa ici la DGAC. Vous trouvez la DGAC avec la gestion Kimbuta? Mais la DGAC, sous prétexte d'informatisation de la DGAC, on a créé une société privée appelée Hologramme qui perçoit, collecte. Alors que l'édit qui crée la DGAC donne à la DGAC l'exclusivité de la collecte. Vous avez des pans entiers des taxes et impôts de la ville de Kinshasa qui échappent au réseau ordinaires des collectes. Gentini a trouvé le système en place et le maintient. Hologramme. J'écris tous les jours, la société s'appelle Hologramme. Toute société ici a obligation d'afficher une enseigne pour dire le nom. Cette société est sur la voie de l'avenue au Capi. Allez-y, c'est pas écrit. C'est déjà la première, le premier indice pour montrer que c'est une société mafieuse. C'est pas écrit Hologramme. C'est pas écrit Hologramme. Depuis que j'écris, depuis j'interpelle les juges, en attendant que moi-même je fasse des boulots à l'Assemblée, ça ne met personne, surtout pas Gentini Gombila. Depuis que j'écris, cette société est créée comme une société d'État, d'assez de la ville, avec donc des privés et la ville. C'est ça. Il n'y a aucun représentant de l'État, de la ville de Kinshasa là-dedans. La rentrée, ça sera quand? Non, attends un peu. Et tout ça, Gentini, alors on veut lui trouver une excuse. Non, il est assis sur ça et il profite de ces systèmes-là. S'il ne profitait pas de ces systèmes-là, il donnerait un coup de pied dans la fourmilière. Ce qu'il n'est pas disposé à faire. Vous rentrez quand votre... Généralement le 30 mars. Le 30 mars. Oui. Est-ce que nous pouvons espérer que vous allez interpeller Ngobila, vous, personnellement? Je n'ai pas de promesse à faire ici, laissez-moi travailler à l'Assemblée. On attendra. Sinon, c'est pour plaire et tout ça. Laissez-moi commencer. Et au jour d'aujourd'hui, il y a une grande dynamique. Et je suis en train d'encourager cette dynamique. Avec les collègues de l'UDPS pour créer des nouveaux équilibres à travers la majorité Union Sacrée. L'initiative est en cours. Hein. Vous pensez à une motion de censure? Je ne peux pas le dire ici. Merci beaucoup, Mike Moukoubaï. Je rappelle qu'on a passé plus d'une heure à débattre sur les questions d'État, et sur les questions nationales, et même les questions de la ville de Kinshasa, dans l'espoir de vous revoir quand il y aura un autre gouvernement, un nouveau gouvernement. On débattra sur le casting, les défis, et ainsi de suite. Merci d'avoir répondu à nos questions. Pourquoi tu ne souhaites un nouveau gouvernement? Bon, puisqu'il est déjà là, j'allais dire des choses, c'est stratégique, je ne peux pas le dire. T'as les droits? Non. J'allais parler de Kinshasa un peu. Ah, d'accord. Non, j'allais me faire prendre au piège. De dire alors qu'on m'a dit de ne pas dire. D'accord. Très bien. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'avoir été nombreux. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les réalisations. Maman Marie, où est-ce que tu es? Eh bien, maman, tu es bien. Mais tu es bien.
Alors, plus précisément, dans la carte de Washington. Alors, maman Marthe, née. Maman Marthe, née. Alors, puis, shop, Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Puis, là, il y a un gnosso congolais. On dit qu'il n'y a pas de à ça, il s'agit de l'autre. Pour la colère, il y a un gnosso. Pour la tête, il y a un gnosso. Pour la tête, il y a un gnosso. Bio. Bio Africa Union. Et toi, t'es un gnosso. Tout à l'heure, il y a un sinon, vous voyez pas, il y a un Bon, bah, comprendre, congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Bon, la Coriana, puis nous, bon, bah, bon, les radis, Coriana, appétit. Debout, congolais, unis par le sang, unis dans le Loye Molonde Nelalisa.